Eh bien, bonjour à tous les amis, ici Akiza, le comte d'Havregry. Et aujourd'hui, je vous retrouve devant la ville du Havregry, où le château de Tarascon a été bâti. Du coup, voilà, il y a les belles murailles de la ville qui s'étendent devant vos yeux. Et actuellement, je suis dans les champs du Havregry, car il faut bien quand même nourrir la population. Et du coup, voilà, je suis en plein travaux de boulder farming, j'ai presque rien fait, hein, c'est surtout du posage de blocs, de graines et tout ça. Bon, il y a encore quelques trucs à faire. Du coup, j'avais envie quand même de vous montrer ce qu'on pouvait faire en termes de champs dans Minecraft, en vanilla, sans les mods. Du coup, voilà, on est quand même sur une grosse culture quand même. Il y a pas mal d'arbres, le moulin, bref, pas mal de petites choses. Qui nous rappelle la vie paysanne au Moyen Âge. Et du coup, j'avais envie de vous faire un petit tuto pour vous montrer comment faire des champs de manière réaliste dans Minecraft. Allez, c'est parti, on va passer en solo. Alors, pour commencer mes champs, je commence par faire un grand champ. Hein, du coup, c'est la première muraille que vous voyez. Et une fois que j'ai tracé ce grand champ, eh bien je le divise en 3 ou 4 parties en essayant de respecter le plus possible le terrain. Alors là, je commence par un premier champ qui sera une jachère. Et du coup, il suffit simplement de mettre de l'herbe partout. Et pour le champ d'à côté, là, je commence avec un premier champ qui sera des céréales. Parce qu'au Moyen Âge, quand on divisait le champ en 3, la première jachère était consacrée aux céréales, la deuxième aux légumes. Et la troisième était au repos. Du coup, là, on va commencer avec une jachère de céréales et les sources d'eau par-dessus. J'ai camouflé avec des blocs de feuilles pour apporter un côté un petit peu sauvage qui rajoute un peu plus d'ambiance médiévale. Alors, au-dessus, là, je suis en train de faire un champ de carottes. Voilà, c'est un légume tout simple du Moyen-Âge. Et juste à côté, là, alors là, je ne vais pas faire une jachère, je vais faire une culture permanente, comme je les appelle. Et du coup, ce sera un champ de vigne. Voilà. Et voilà, maintenant que vous savez comment je crée mes champs, alors on va aller voir un peu quels sont les différents patterns et designs pour faire les champs eux-mêmes et également le contenu. Alors, on va d'abord voir les différents styles de champs en termes de délimitation. Ensuite, on ira voir ce que j'utilise pour le champ des céréales. Ensuite, ce que je prends, enfin, les différents patterns que j'utilise pour la jachère. Ensuite, les légumes. Et enfin, pour les cultures commerciales et industrielles. Alors, déjà, pour les champs, alors j'ai fait les trois modèles ici. Alors, en termes de chiffres, moi je pars pour faire simple, soit du chiffre 4, si je veux faire les trois champs primordiaux plus un champ industriel, mais c'est pas obligatoire, hein. Vous pouvez faire très bien trois parcelles délimitées dans un grand champ, ou alors carrément un très grand champ, après toutes les tailles se ressemblent, hein, c'est pareil. Du coup, du moment qu'on retrouve le système au moins des trois champs, des trois parcelles qu'on change par année, c'est bon. Du coup, ne faites plus de champs entièrement en blé. N'en faites plus, il faut des champs vides. Alors, pour la composition et la délimitation des champs. Alors, là, j'ai envie de dire, ça dépend de votre du cadre où vous vous situez. Si vous voulez faire une ville médiévale du style méditerranéen, du coup, la Provence, l'Italie, la Grèce ou même l'Espagne. Le modèle que je préconise, c'est le mur de pierre. Alors ça, c'est un modèle qu'on retrouve très souvent dans le sud de la France et en Méditerranée. Et pour agrémenter le mur de pierre qui est tout simple, je vous conseille d'utiliser parfois des dalles, voire même des escaliers ou des murets hein, pour donner un peu plus de relief au champ. Aussi, vous pouvez également utiliser d'autres pierres. Hein. Là, j'ai pris que de la stone brick, mais vous pouvez très bien prendre de la cobblestone, voire même un mélange des deux. Ou même de trois pierres avec l'andésite. Enfin, franchement, c'est comme vous voulez. Moi, j'aime bien juste la stone brick. C'est simple, c'est classique. Et c'est très efficace. Si vous voulez faire des champs médiévaux
Un peu plus au nord, du coup, là, on va dire le nord de la France, la Flandre et l'Angleterre surtout. C'est l'Angleterre qui a beaucoup utilisé ce modèle-là. Ce sont les haies et les buissons. Alors, là, vraiment, avec le ressource pack que j'ai, on a du relief sur les feuilles et franchement, ça rend super bien. On retrouve le côté naturel et le vert se mélange vraiment très bien avec certaines plantes, le blé notamment. Et du coup, pour agrémenter les feuilles, je mets parfois des barrières, voire même des portillons, pour faire un semblant de branches, voire de poteaux qui maintiennent la haie en place. Et enfin, comme tout le monde n'avait pas la richesse pour avoir les pierres, ou encore les conditions géographiques pour avoir des haies, il y avait la méthode du pauvre, comme je l'appelle. Alors c'était des chemins qui étaient balisés en terre battue, hein. Bon, j'utilisais de la terre stérile pour démarquer ça. Et ce qu'ils faisaient au Moyen-Âge, c'est qu'ils plantaient des pieux en bois autour du terrain pour le délimiter. Du coup là, on peut dire que c'est le terrain à Monsieur Jean, ici c'est le terrain à Monsieur Richard, etc. Et du coup, il fallait vraiment très 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 être méticuleux et bien respecter les limitations de barrière. Sinon, on pouvait encourir des sanctions très très graves. Alors ça, c'est vraiment la version du pauvre, hein. Vous pouvez également faire sans les barrières si vous voulez, mais là, la justice va se casser la tête, si j'ose dire. Enfin bon, le chemin de terre pourrait être très bien délimité, hein. Si vous faites un peu fantaisie aussi, vous pouvez également fusionner les deux. La pierre et la feuille peuvent très bien se fusionner, même si dans la vraie vie, c'était pas très 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 courant. Enfin, d'expérience, je n'ai pas trop vu le mélange des deux. Du coup, maintenant qu'on a vu la composition des pierres, on va voir la composition des champs eux-mêmes. Du coup, on va commencer avec le premier champ du coup qu'on sème, c'est-à-dire le blé. Du coup, moi j'ai mon petit trio. Alors, au Moyen-Âge, on cultivait pas que du blé. Il y avait l'orge et plein d'autres céréales très importantes, que ce soit non seulement pour l'homme, mais aussi pour la farine, nourrir les animaux, plein de choses très intéressantes. Et c'est pas le. Lâchez là pour vous montrer ce qu'on peut faire. Je suis pas là pour faire un cours d'agriculture. Du coup, vraiment, ce qui marche le mieux sur Minecraft, c'est le blé, tout simplement. Mais après, on peut utiliser d'autres alternatives, notamment pour changer l'âge de la plante, par exemple. Si la plante, elle vient tout juste d'être semée, on va dire quelques mois après, quand ça commence à fleurir, après l'hiver, là, on peut avoir des jeunes pousses ici. Et après, vraiment, si vous voulez un stade un peu plus avancé, vous pouvez mettre carrément des feuilles hautes. Voilà. Non, des hautes herbes, pas des feuilles hautes, voyons. Du coup, là, ça c'est mon petit trio, même si j'utilise principalement le blé, car je trouve que l'herbe, ça fait un peu plante aromatique. Voilà. Comme ça, mais bon, si vous voulez faire aussi des plantes aromatiques pour un petit jardin médicinal, ça franchement, c'est une très bonne alternative. Ensuite, pour la jachère. La jachère. Alors, la jachère, c'est le terrain qu'on n'utilise pas pendant un an pour que la terre se repose. Alors, j'ai surtout quatre modèles primordiaux. Et là, ça dépend vraiment du temps. Alors, si vraiment là, c'est vraiment la fin des moissons, on vient tout juste de tout récolter, moi, je mets vraiment que de la terre dévastée tout autour pour éviter que l'herbe repousse. Et je mets des belottes de laine. Des belottes de paille un peu partout. Voire même de la paille un peu dispersée. Voilà. Pour vraiment dire, voilà, c'est la fin des moissons, c'est la fin de l'été. On va bientôt semer. Ensuite, un autre modèle pour ce même pattern, c'est la bande. Alors là, j'utilise trois couleurs différentes de temps en temps. Alors, le sable des âmes. Qui donne un effet un peu foncé, comme si on avait un peu brûlé la récolte pour brûler les restes, parce que des fois la cendre ça peut fertiliser un peu. Ensuite, j'utilise aussi le béton marron en poudre, ça se marie très bien en termes de couleur. Encore la terre stérile, et parfois, mais ça c'est un mélange que j'utilise vraiment très très peu, mais c'est la podzol, ça fait un peu sel, ça fait encore un peu herbe. Mais bon, ça peut faire un peu aussi détritus, hein. C'est tout ce qu'on n'a pas ramassé. Ou alors, voire même, pour faire un peu d'histoire, hein, ça peut. Enfin, moi, j'aime bien que mes lieux soient vivants. Du coup, moi, si j'utilise la pose d'ol, c'est pour dire, on a récolté le champ,
Et il a plu récemment. Du coup, ça fait un peu effet terre mouillée. Ensuite, là, les deux modèles que j'ai ici, c'est les jachères qui sont un peu plus avancées. Là, on est vraiment sur la fin de la jachère. Ça va être la nouvelle année agricole qui va commencer. Du coup, on va tout débrayer pour replanter les graines. Alors là, c'est la version normale, hein. Parfois, on mettait des ruches. J'en mets aussi parfois des ruches pour que les abeilles prennent le pollen des fleurs, fertiliser les champs. Ou alors, une pratique qui est très en vogue à la fin du Moyen Âge, c'est l'élevage. Alors, parfois, on mettait les animaux dans les jachères parce que non seulement ils vont manger les plantes, du coup, ce sera du travail en moins pour l'homme à faire. Et en plus, bah, en mangeant les plantes, ils vont faire du caca. Voilà. Et le caca va fertiliser la terre. Du coup, pour faire les crottes d'animaux, j'utilise du sable des âmes. Ça fait un peu bouse de vache. Faut avoir de l'imagination. Voilà. Ça, c'est vraiment les quatre modèles que j'utilise pour faire les jachères. Du coup, là, pour le havre gris, on est vraiment. Ça va être la nouvelle saison agricole. Du coup, j'ai utilisé les deux modèles qui sont là. Ensuite, pour la troisième parcelle, celle des légumes. Du coup, là, je vous ai fait toute une galerie de légumes, très, très intéressant. Alors, bon, déjà, on a les carottes, ça c'est un incontournable du Moyen Âge, la carotte. Bien qu'à l'époque, elle ne soit pas orange, on a deux variétés, elle est soit rouge, soit blanche. Voilà, on a croisé les deux espèces de carottes pour avoir les carottes oranges. Du coup, ça, franchement, c'est une valeur sûre qu'on peut mettre dans les champs. Pareil pour les betteraves, hein, c'est classique. Et là, j'ai deux parcelles de choux. Alors, la deuxième est vraiment très difficile à avoir parce que ce sont des têtes de creeper. Mais bon, je n'utilise pas ça parce que j'aime pas. C'est moche. Voilà, moi j'aime pas les têtes de creeper. C'est la bonne taille, c'est la bonne couleur, mais il y a la face de creeper. Et c'est super dur à avoir. Bon, bien qu'avec le trident, ça peut être facilité. Mais si vous faites un champ de plus de 60 choux, on n'a pas fini, quoi. Du coup, en alternative, j'utilise les fleurs de chorus. Alors, ça, ce n'est pas le chou vert, c'est plus le chou rouge qu'on pouvait utiliser dans du vinaigre. C'était un remède très fréquent au Moyen Âge, le chou rouge. Ça avait de nombreuses vertus. Et du coup, la fleur de chorus, on retrouve la couleur du chou rouge. Bon, bien qu'ils soient un peu gros. Mais au moins, je trouve que sur un grand champ, ça fait un effet très sympa. Surtout si on alterne comme ça en diagonale. Ensuite, alors, là c'est un de mes légumes oubliés, comme je le dis. Ce sont des pieds de bambou. Voilà. Et en mettant au-dessus une petite ficelle, ça empêche le bambou de pousser. Et du coup, ça fait vraiment une grosse racine de légumes qui sort de terre. Et je trouve ça, c'est sympa quand même. C'est un légume oublié. Comme je le dis, comme ça passe, quoi. Et ici, à côté, alors là, j'utilise des bambous en pot. Bon, c'est pas trop développé. J'utilise presque jamais ce système. Mais bon, faut avoir de l'imagination. Et comme tout. Moi, je vois, pour être honnête, je vois des poireaux là-dedans. Des poireaux, il n'y a pas beaucoup de feuilles pour le poireau. Mais bon, c'est pas tout le monde qui a la même imagination que moi. Du coup, s'ils arrivent, ils disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, ils vont dire, qu'est-ce que c'est que ce truc? Du coup, j'utilise vraiment très très peu les fameux poireaux. Alors, une valeur sûre également, les haies d'herbe, tout simplement, pour symboliser encore, peut-être pour faire du chou et d'autres plantes intéressantes. Alors, la patate. Alors, la patate, il faut faire vraiment très 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 attention, car au Moyen-Âge, du coup, vraiment, quand je dis Moyen-Âge, c'est de Charlemagne, enfin, oh non, allez, de la fin de l'Empire romain jusqu'à la découverte de Christophe Colomb de l'Amérique, la patate n'est pas en Europe. Du coup, il ne faut pas mettre de patate. À moins qu'on utilise. On met un panneau en disant que c'est autre chose que de la patate, mais si on récolte et qu'on voit pommes de terre, certaines personnes comme Z ne vont pas aimer le RP jusqu'au bout. Du coup, la patate, c'est non, pas de patate. Je vous interdis d'utiliser la patate. Alors également, alors ça, les citrouilles. Alors, les citrouilles, il y en avait pas mal également à l'époque. Et surtout, faites pas juste des champs où vous plantez la citrouille, faites également des petits buissons, comme en vrai. Vous voyez, ça donne tout de suite un peu plus de volume et en plus ça peut cacher les sources d'eau. Alors, aussi ça j'utilise ça pour. C'est quoi? Oui, c'est des fougères. J'utilise les fougères pour faire des feuilles de légumes qui sortent.
Également. Mais bon, comme pour le blé qu'on a vu tout à l'heure avec l'herbe, je trouve que ça fait un peu herbe aromatique, voire herbe médicinale. Du coup, j'utilise vraiment très 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 peu. Ensuite, la pastèque. La pastèque, elle était cultivée, mais vraiment dans le... Ça, la pastèque, vous pouvez l'utiliser seulement si votre champ se situe vraiment dans le bassin méditerranéen. Si vous ne faites pas des champs de pastèque en Angleterre, hein, ça sert à rien. Il fait pas assez chaud pour élever de la pastèque. Après, vous pouvez aussi la mettre dans les arbres pour faire des melons, mais bon, ils sont un peu gros les melons. Et en parlant des arbres, bien entendu, il y avait les arbres fruitiers à l'époque, hein. On récoltait pas mal de choses dans les vergers. Alors ça, faut mettre ça, les arbres dans des champs permanents. Du coup, là, on a un pommier, par exemple. Alors, je mets des cadres avec des pommes pour faire les pommiers. Mais il n'y a pas que ça. Alors, j'utilise également des pommes d'or pour faire soit du citron. Alors ça, si vous voulez faire du citron, faut également faire ça dans le bassin méditerranéen. Sinon, vous pouvez également dire que ce sont des pommes jaunes, tout simplement. Après, là, j'ai mis au sol d'autres choses que j'utilise. Alors là, il faudrait plus un arbre un peu plus conséquent, genre un chêne, pour faire des noix. Alors ça, je prends ça pour faire les noix, parce que je trouve que non seulement on a le rond de la châtaigne, mais en plus là, les petits pixels, ça fait un peu pic sur les côtés. Du coup, je trouve ça très sympa. Également, les cerises, qui peuvent être consommées à l'époque. Et là, j'ai pris ça pour faire des prunes. Voilà. Faut avoir de l'imagination parfois, et du coup, les prunes, ça peut être bon. Alors, les champignons également, mention spéciale pour les champignons. Alors, si vous pouvez en faire, cependant, il faudrait que ce soit dans des bacs comme ça, et surtout dans des galeries souterraines. C'est ça, allez voir la vidéo que j'ai faite sur Saumur. On a pas mal d'anciennes caves troglodytes qui servent justement à la culture des champignons. Voilà. Après, vous pouvez aussi en mettre dans les forêts, mais franchement, c'est pas de grand élevage de champignons. Alors surtout, ne mettez pas en plus les champignons tue-mouche parce que si vous en mangez, ça vous tue. Vraiment, préférez le petit champignon brun, tout simple, pour faire surtout les champignons Paris. Alors, et du coup, là, on va passer sur les cultures, la troisième et dernière parcelle, les cultures permanentes ou les cultures industrielles et commerçantes. Alors, on va commencer avec les cultures commerciales. Alors, si vous, alors là, je me base surtout sur la France. En France, on a, pour la culture commerciale, on n'a qu'une seule chose, c'est le vin. Voilà. Sinon, si vous faites un champ, je sais pas, en Orient par exemple, en Égypte, ou dans le Moyen-Orient, vous pouvez également faire des champs d'épices. Alors ça, ce serait super. Du coup, pour la France, on va faire des vignes que je représente soit avec les buissons à baies, parce que déjà on peut récolter, et en plus avec on voit le raisin. Bon là ce sera c'est un bon raisin rouge de Bourgogne, hein, c'est pas le raisin vert. Ou alors vraiment vous pouvez également utiliser ce pattern-là pour faire des vignes. Ça c'est et j'utilise des feuilles d'acajou parce que on peut parfois voir des boules vertes qui peuvent rappeler le raisin. Ensuite, pour les cultures industrielles, alors il y a plusieurs choses. On a déjà les plantes du textile. Alors là, j'utilise des bleuets pour faire les fleurs de lin. Le lin, vraiment, est un tissu qui est très 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 utilisé au Moyen-Âge. Et du coup, avoir des champs de lin, c'est tout à fait logique si vous avez un tisserand dans votre village ou dans votre ville. Également, j'ai mis le lilas pour faire des champs de lavande. Pour le parfum et aussi pour l'aromathérapie, qui sont des choses très prisées au Moyen-Âge. Alors, ici j'ai mis des animaux, parce que parfois on peut voir pas mal d'animaux dans les champs médiévaux que certaines personnes font, sauf que parfois on voit des cochons et c'est pas du tout réaliste. Parce que le cochon, c'est déjà un animal qu'on trouve en ville. Il sert un peu d'éboueur, il mange tout et n'importe quoi. Et comme ça, il s'engraisse et le boucher, il a une très bonne viande. Après, on le retrouve également dans le village où il fait à peu près la même chose. Du coup, dans les champs, qu'est-ce qu'on retrouve? On a vraiment une minorité de vaches, parce que la vache est vraiment un animal qui coûte très très cher. Et du coup, on s'en sert surtout pour tirer les machines agricoles et on la laisse dans l'étable pour prendre son lait et également pour réchauffer la maison. Du coup, on retrouve vraiment majoritairement le mouton dans les champs d'élevage au Moyen-Âge.
Car le mouton, non seulement il fait de la laine, mais en plus il produit de la viande. Du coup, il faut qu'il s'engraisse un peu pour pouvoir être consommé dans tous ses aspects. Ensuite, on a les fleurs, hein, car certaines fleurs sont cultivées pour la teinture. Alors, j'utilise principalement les fleurs jaunes et le rouge. Alors, là, j'ai mis les blanches pour décorer, mais je connais pas d'exemple de fleurs blanches. Pour la culture au Moyen Âge, mais je trouve que ce modèle-là de fleurs, du coup, c'est l'oustonie, rend très bien dans les champs. Et enfin, évidemment, la tournesol, qui à l'époque, on se servait des graines pour nourrir les oiseaux, c'était également une très belle fleur pour les champs, et on s'en sert également pour faire de l'huile. Du coup, c'est tout bénef de cultiver des tournesols. En plus, c'est très résistante. À la chaleur, du coup, ça pour les champs en Provence, c'est super. Bon, ben voilà, c'est le tour du champ médiéval. Hein. Du coup, c'est toutes mes petites astuces déco qui vont peut-être vous permettre de faire des champs réalistes. Hein. J'espère que cette vidéo vous a donné pas mal de nouvelles idées, qu'elle vous a inspiré. Et du coup, je vais vous souhaiter un bon craft hein, de champs dans vos parties. Et je vais vous dire à la prochaine. Bisous bisous!